السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je t'ai dit, un jour je vais appuyer, je vais être en train de me branler. Bon, vas-y, attends, je suis déjà. Ah ouais, c'est chaud. En tout cas, ça a la boule. Ça y est, j'ai compris. Il n'y aura plus d'île flottante, la tête de ma grand-mère. Ça y est, la boule à Z. Peut-être sa mère comme ça ou pas. Et pour Bassem, allez, allez. Comme ça, je pourrais lui mettre comme ça, direct. Faites sa mère. La Darnaise, big dédicace, frère Malik. Frère du 692, le Sud. Eh ouais, t'es en retard, pintamam, c'est toi là-bas, là. Voilà, là, bien. Allô ? Allô ? Ouais. Salam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Souhait à Amouk. D'accord, très bien. 07 74 58 80 86. Le mec, il a appelé 102 fois. Quel fils de pute. Oh ! Eux, tu sais que je leur sors mon paf, ils pompent. Je leur sors mon paf. Allô. À eux, ils le pompent. Allô, frère Ousselem. Allô. Allô. Oh putain. Allô. Salut, Bassem. Ça va, Bassem? Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pour te parler d'un truc. En fait. Alors, enlève-toi le god que t'as dans le boule et après tu me rappelles. Merci. Voilà, ça recommence. Allô. Allô. Allô, Salem. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam, ça va? Bien et toi? Merci. Allô. Ouais, t'es en live là? Ouais, Aïchik, tu peux couper ton live? On... Ouais, je te le coupe. Mais non, je t'ai pas dit de couper toi, frérot. Il faut couper le live, Franjo. Ils sont là, les petits toutous? Est-ce qu'ils sont là, les petits toutous, là? Est-ce qu'ils sont là, les... Les mihouris, les faibles maghrébins, les enfants de putain, les trolls? Vous êtes là, tous? Hein, vous êtes là? C'est bon, vous êtes venus boire un peu de libre? Bande de fils de pute, va. Attendez, hein, je finis mon émission plus tôt que prévu. Enfin, je finis mon émission vers 1h du matin. Comme ça, vous pourrez faire des petites émissions. Après, vous avez vu ce qu'il a dit aujourd'hui? Vous avez vu comment? 2007 et tout, t'as compris? Même les maillots de l'OL, Novotel, tu vois le plan? À l'époque, ouais. Ouais, c'est pas... j'ai une hallucination et tout pendant que la meuf allait sur moi. Je vois pas Sidney Govou sur moi. Mais va savoir le genre de rat comme toi s'ils étaient pas avec des Sidney Govou pour de vrai. Wallah, tu sais pas la dette. Alors oui, le cap d'un, c'est la foi. Mais vous m'avez compris, c'est le foie. Vous m'avez compris quand on dit les Tunisiens, quand mon père il me dit l'homme Anna, elle a de la cap d'un, ça veut dire voilà, elle a. Elle a pour ses enfants, pour... Mais ils sont lourds. Je vais arrêter la radio. Nick Zubby, demain, j'appelle les bras déco. Allô Sylvie, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre de nuit 21h, 5h du matin. Et je fais les heures sup. La putain de vos moms, ils s'arrêtent. Les hiboux, je vais vous sortir mon paf un jour. Un jour, non, j'ai pas envie de créer de divorce. Après, tu vois, non, bon, c'est vrai, mais t'as raison. Encore une fois, tu vis juste. T'es fétichiste de la femme au foyer. Bah c'est normal. Parce que je suis un mec qui fera en sorte que ma femme reste au foyer. Je travaille et je paye. Sale pute. Toi, t'es une Wonder Woman, tu vas finir avec 8 chats, dont un qui te doit. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Choisis ton camp. Moi, j'ai choisi le mien. Bien sûr, je suis... Il y en a, c'est des fétichistes des pieds. Moi, j'aime bien les femmes qui restent à la maison. Tu vois? Tu sais, quand elle essuie une assiette... Derrière, ça bouge. Tu sais, elle suit le rythme de l'assiette. À l'arrière, ça bouge comme ça. Allô? Allô, ouais. Oula. Allô, oui? Salam, ça va? Ça va, et toi? Je t'écoute. Bah, en fait, je voulais passer auprès de Bassem parce que j'ai une histoire de malade à raconter au niveau de mon taf qui m'est arrivé. D'accord. Tu veux passer auprès de Bassem? Alors, attends. 30 secondes, je vais récupérer Bassem. C'est bon, il est là. C'est bon, il est là. C'est bon, il est là, je t'ai dit. De quoi, il est là? Allô?
Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, Bassem. Ouais, c'est Salem, frérot. Merci d'avoir patienté avec nous. Je t'écoute, frère. Ok. Bah, en fait, je t'explique, Bassem. Tu vois, je suis informaticien dans la vie. Ouais? J'ai putain, c'est mal barré. Ouais? Un verre de halib et une date. Appelle. Allô? Allô? Oulala, putain de merde. Attends, bouge pas, il est pas minuit encore. Si, il est minuit 5, tu as le droit de parler. Allez, je t'écoute. Putain de merde. Ouais, bonsoir. Je m'entends. Ouais, je t'entends. Non, en fait, j'ai un problème avec mon téléphone. Bah ouais, moi j'ai un problème avec toi. Je sais pas ce que. Alors attends, je suis en train de regarder si c'est. Je suis en train de regarder si c'est moi qui paye 0,35 centimes la minute. Parce qu'on dirait que je suis sur un site de cul. Non, je rigole. Je t'écoute. Dis-moi, tu voulais nous parler de quoi? Dis-moi ce qui va pas dans ta vie. Avec une solidité, etc. De construire des choses saines, il faut s'y prendre tôt. C'est pas à 37 ans. Manéha dommage, fromage, Rani Chichtbik. Ouais. Non, mais en fait, il n'y a rien qui va pas. Tout va bien. C'est juste pour te dire que je suivais tes lives et que j'aimais bien. Et force à toi, en fait. Putain, la manière dont tu dis force à moi, sur la mec, comme si tu mettais du poison dans mon café, tu vois ce que je veux dire. Alors, rassure-moi, tu n'es pas un mec qui imite la voix d'une femme, quand même. Mais non, pas du tout. C'est vrai, t'en es sûr? Ça va pas. D'où est-ce que, comment ça se fait que t'as un chat dans la gorge? Ben, je sais pas, j'ai un rhume. À force de traîner dehors, t'as un rhume? Ah, d'accord. D'accord. Non, c'est pas à force de traîner dehors. C'est à cause de la clim, en fait. Ah, c'est à cause de la clim, en fait. D'accord. Parce que tu transpires beaucoup. Ouais. Ah non, pas du tout. Tant qu'elle est dans le deep, c'est pas grave. Je vais vous dire pourquoi vous êtes pas concernés. Ouah! Ouah la dinguerie, les filles, ma petite chérie, la dinguerie! Je connais un mec, un directeur d'un magasin qui m'a fait du sale hier, il m'a piné. Il m'a dit, il faut vite aller faire des stocks, il va plus avoir d'huile, il va plus avoir de pâte. Ouah, les filles, il va plus avoir. Putain! Bande de sales mandarines périmées des fins de marché. Vous voyez, voilà, l'orange. Pourquoi aller là-bas? Je comprends pas. En 98, Barthez, avec son crâne de fer, boule de cristal, il était sur un jet ski avec Linda Evangelista, mon frère. Pousse-toi de devant. Linda Evangelista, ça, c'était des mannequins à l'époque, frère. Sur un jet ski avec, eh ben, une bouée et tout. Tu avais Lisa Razou, il était avec la petite, eh ben, Elsa. Il était en train de faire du surf. Aujourd'hui, les joueurs de maintenant, bail, beurette, alcool, on renverse la piave. Pendant le mois du ramadan, tu les vois en camis en train de faire du dikr, hein. L'autre, il est à la Mecque. La prochaine fois que Paul Pogba, il va aller à la Mecque, il va nous faire un dab. Devant la Kaaba, il va nous faire un dab. Mais c'est pas grave, tant qu'il est dans le din. Arrêtez de juger. La putain de vos mams, moi. Chaque femme est différente. C'est-à-dire, il faut chercher. Frère, t'es Indiana Jones, tu cherches le trésor. Le trésor, ça veut dire, il y a des femmes, elles préféreront cette position. Il y a des femmes, elles vont préférer d'autres. Il y a une femme, il y a une position que les femmes, elles préfèrent toutes. Parce que ça frotte tout de suite. Hein, quand vous êtes debout sur les chaises comme ça, hein. It's a match in cuisine. Ça veut dire quoi, piner beaucoup de meufs? Mon frère, il faut que tu sois à l'écoute de son corps. Vous êtes, les mecs, vous savez plus faire l'amour. Vous êtes trop personnel parce que vous êtes des branleurs. Vous ne savez pas apprécier un vrai moment. Quand tu fais l'amour à une femme, le plus important, c'est sa fierté à lui. C'est voir cette femme en transe parce que tu lui donnes tout ce qu'il faut. C'est ça, la vraie fierté. Quand elle est en étoile, elle te dit « Aïe, j'ai les jambes qui tremblent ». C'est là où toi, tu peux redéboutonner ta chemise et tu la regardes travers. Voilà, c'est comme ça. Je l'ai raconté là, il y a un an encore, et je la raconte encore. Pourquoi ça me fait mal? Wallah, avec les gens, ils me croient ou pas. Moi, ça me fait mal parce que quand j'... Putain, quand j'étais à la plage, voilà quoi. Je voyais les jeunes, les petits, des petits, cette pige. Bah non, non, je vais pas là-bas. Quand j'étais à la plage, je voyais des... Tu es où, la plage? Moi, je veux donner le... Moi, je veux donner une leçon de morale. Et le mec, il me parle de par...
Comment tu veux? Comment tu... Mais attends, laisse-moi... Eh ben regarde, regarde. Ma leçon de morale, bah, c'était... Bah, non, smère, frère. Tu vas où à la plage pour savoir si tu... Non, mais tu vas où à la plage? Au Cap ou tu vois, à la plage. Toi, t'es capable de me croiser, de mettre un string, Selim Bassem. Frérot, je... moi, je peux plus. Moi, je peux pas. Voilà, j'ai voulu. En fait... 15, 20 minutes. Ah, j'ai inventé un nouveau brick, j'ai inventé un nouveau truc dans mon stream deck et je pense que tu vas être la première victime. C'est un coup de fouet. Allez, barre-toi. Vouez vos histoires à dormir debout. Wallah, je comprends pas. Quand on appelle les gens, il faut avoir de l'enthousiasme. Il faut avoir. Il bute pas sa mère ce bruit. Oh putain. Sidaïque. Lépreuse. Faible maghrébin. Ouais, putain, pète sa grand-mère. Ouais, ouais. Alors attends, moi y'a un âge qui me fait rire là. Mousli qui me dit, rien à voir, tu es censé découvrir ensemble. Alors Rahambouk, emmène-moi deux vierges, mets-les tout nus, ils viennent se marier dans le halal, ils vont s'asseoir, ils vont faire quoi? Il faut que le mec, un minimum, il ait au moins vu des films de cul. Putain, il apprend. Non, voilà, arrête. C'est un débat d'hypocrite. On va apprendre ensemble. Zubbiwi. Attends. Les femmes entre elles, elles se parlent, hein. Putain, moi, je pensais que c'était comme ça, en vrai. Waouh. Putain, ouais. Allez, Maroc Riff, il me dit, c'est Allah qui décide. Allez, bon, ok. Allez, moi, je vais arrêter ici, je crois. La room, comment ça va, la room? Comment ça va? Cache la Heineken, wallah, c'est du cacolac, Franjo. C'est du cacolac, c'est du halib, ça tue. Ça tue, man, frère. Juste après un triple filtrave, je te le dis, tu la bois cul sec. Et tu chantes en plus, il est des noms entre eux. Il a bu son verre comme... Ah ouais, tu... Non, attends, fais tourner très bien, bien sûr. Très... Un verre de halib et une date. L'histoire prouve que les pays maghrébins n'ont jamais été hostiles aux pays subsahariens. La preuve, hein, la France s'est fait piner. On n'a jamais été hostile. Nous, on a tellement ouvert les bras qu'on a fini par écarter les cuisses. Comprendra qui pourra. Mais bon, t'es un diviseur, t'es un... C'est une dinguerie. Où on peut rencontrer sa femme ou son mari? Parce qu'il y a beaucoup de femmes bien, il y a beaucoup de mecs bien qui sortent pas, qui n'ont pas d'activité, qui sont à la maison. Et finalement, ils n'arrivent pas à rencontrer des femmes ou des hommes. Parce qu'aujourd'hui, on se marie dans les chichas. Oui, on se marie dans les chichas. On rencontre la mère de ses enfants qui vont engendrer les pauvres des fils de... Bref, et ben si tu préfères, on rencontre dans les chichas. Il faut qu'on sorte pour rencontrer des gens maintenant. C'est un truc de fou. On va parler de ça. Dans un club échangiste, tu en as. C'est parfait. C'est magnifique. Ils vont là-bas. Hein, ils se changent. Imaginez ce que vous allez dire à votre enfant. Papa. Maman, tu l'as rencontré où? Sur du DJ Case. J'étais en train de la hook. Il y avait moi. Il y avait mon sahab. On était en face. On était en train de la hook. Oui, mesdames et messieurs. Oui. Par exemple, ah ouais, moi, je sais pas pourquoi, ouais, il y a des métiers qui sont... Quand je dis pervers, c'est pas pervers dans le sens où c'est des violeurs, Starfalla, ou c'est des gens bizarres. Non, mais par exemple, gardien d'immeuble, c'est, tu vois, t'as l'impression qu'il habite avec toi, c'est un coup, il fouille tes poubelles, il sent tes roulantes, il est là, il est... Va savoir, frère. Il y a des métiers comme gardien d'immeuble, ça, c'est des métiers, tu vois, tu le connais pas, mais il est proche de toi. Il balaye devant ta porte, il écoute ce qu'il se dit. Ouais, c'est méchant bizarre, ça. Il drague les mamans et tout. Wallah, frérot, il drague les mamans. Hanani, frérot, dans le quartier, on sait tous, il y a un jour un gardien d'immeuble, il a croqué une mame, ça. On le sait, ça. Hein. Ah, on le sait. Hein. Ah, on le sait. Et généralement, tu le croises à la Gémora. Assalam alaikum. Arrive les poubelles. Big dédicace, big dédicace. Et ma deuxième sœur, là, ça va faire, plus de 12 ans. 12 ans qu'elle est mariée. 12 ans, voilà. Ta sœur, ouais. Et la plus grande, 20 ans. Alors, ouais, il faut suivre son exemple. Je veux surtout pas qu'un jour tu m'appelles et. Tu vois, et. Tu vois, non, non, pas... et puis nous, nos parents, ils ont toujours été.
Voilà, il faut, la dot, c'est important, tu vois. Il y a du porc dans les Ferrero Rocher. En parlant de ça, hier, j'ai fait un statut. Un jour, ça vous est arrivé à qui, la tête de ma mère? Je travaillais en déplacement, j'étais à Nancy. Je travaillais là-bas, j'arrive et c'était la pause. Je rentre dans une boulangerie, je vois une quiche, c'était marqué « quiche ». De la région. J'ai vu du fromage dessus, je lui dis, excusez-moi madame, je peux avoir la quiche là? La quiche de région? Elle me dit ouais, elle me le donne, je mange, la dévore, boah, et je vois qu'en fait c'était une quiche lorraine. Il y avait des bouts de halouf dedans. Boah, j'ai vomi, j'ai, wallah, c'est arrivé à tout le monde. Non, mais je savais pas, moi c'était marqué quiche de région. Elle m'aurait dit quiche lorraine, je sais qu'il y a du porc dedans. Là c'était quiche de région, fils de pute. Il me dit, t'aurais dû te demander. Mais tu es fou quoi? Mais pourquoi je demande pas? C'était marqué quiche de région. Il y avait que du fromage dedans. Ça arrive. Personne n'a pris des chips. Tu mangeais, c'était goût bacon. Avoue que des fois, t'as la mort. Toi aussi, tu veux prendre des McBacon. Ça vous est arrivé à tout le monde. Vous avez tous mangé du porc un jour ou l'autre, sans le savoir. Un jour ou l'autre, sans le savoir. Ou tu sais, c'est quoi le plus trompeur? Les petites pizzas piccolini. Qui c'est qui les connaît, ces pizzas piccolini? Vous les connaissez ou pas? Les toutes petites pizzas piccolini, la vie de ma mère, tu les mets dans le four, tu sais même pas ce que c'est. C'est un truc de fou. Je pense à tous nos maillots qui vont être portés par tous ces traîtres pendant la CAN. Tous ces traîtres de chez nous qui nous pissent dessus et par intérêt pour nous salir. Et pour montrer, c'est ça en plastique, la putain de ta mère. Elle va nous mettre un maillot du vieux Maghreb. Évidemment, à côté, il y aura un collègue de l'équipe d'en face. On est ensemble, nous. Il faut cet esprit de compétition entre les Africains. Il faut qu'on ait ce petit esprit. Ça nous tire vers le haut. C'est chaud pendant les matchs. C'est... Ouais, ouais, ouais. Voilà, putain. T'as une gueule de phare. Phare Ali. Ali. Boukoumouk. Phare. Khamsoukhmis Ali. La putain de Taraza. Préserve-la. Depuis combien de temps tu es avec elle? Ça fait un peu plus de 2 ans. 2 ans. Et deux ouais. Ans, vous avez rien fait? Non, non, on n'a rien fait. Même pas tu la hoques. Allez, entre nous. Non, tu la hoques ou pas? Non, non, rien du tout. Arachem, frère, un baiser volé. Il y a la main droite, elle est tombée sur une paire de bzaises. Oh, non, ça. J'ai pas envie de me marier avec la meuf que j'aurais piné. Mais comment tu vas faire quand tu vas te marier avec elle? Il faudra lui faire des trucs de fou, frère. C'est ta femme. Ouais, mais je vais... C'est un champ de labour. La labour, bordel de Bordeaux. Je vais me marier avec elle après. Non, mais bien sûr. Bien sûr, si elle est vierge, faut pas la toucher. Tu serais le plus grand fils de pute. Si la femme, elle est vierge, tu la touches pas après le mariage. Tu la touches pas. Il faut qu'elle sorte du hanou WW. Mais rien ne t'empêche de temps en temps de patienter. Rien n'empêche qu'on entende dans les salles de cinéma le fameux... Quand tu lui touches la gorge. Juste derrière les oreilles, frère, ça marche à tous les coups. La tête de ma mère, frère. Hein ? Humidifie derrière l'oreille, frérot. Transforme-le en lac. Elles adorent ça, bien sûr. Elias, t'es pas encore mort, toi, sale pédale, va. T'es encore là, dans tous mes snaps, t'es là. Toi, tu aimes bien le paf, toi. Dans tous mes snaps, t'es là. Qu'est-ce que t'as ? Attends. Je t'ai arrêté, c'était une relation. Je voulais faire quelque chose de bien, mais c'était pas bien au final. Mais... C'est vrai qu'au début, je l'aidais et tout, ma mère, je voyais toujours dans l'aide, j'aide ma mère. Mais je te dis la vérité, j'ai vraiment réagi quand j'étais au travail et que ce jour-là, je savais même pas que j'avais encaissé et c'est elle qui m'a dit, ça commençait à me peser depuis des mois et des mois. Et je lui disais, arrête, je vais te lever les codes, je vais changer mes codes. Non, t'as pas intérêt. Nanana, soi-disant, elle m'aidait. Non, t'as pas intérêt. Mais en fait, elle voulait savoir ce que je faisais. À chaque fois que je sortais, ah, qu'est-ce que t'as fait avec tes 30 euros? Le frère, tu vois le frère comme tu décriais ce que ta mère faisait. Moi, je réagissais en disant, mais quelle pute. Quand je dis pute, j'insulte pas ta mère, frère. Je dis pas ta mère, c'est une pute. Je dis, c'est l'attitude. Quand je dis, comme quand tu réussis un passement de jambes, t'as un cet enculé. Tu sais, c'est pareil. Je tiens à dire ça à la room. Avant que je leur sorte mon zap. Mon zap un jour. Je vais le poser. Zappi. Ils sont là, ils sont la putain de... Bref, c'est pas grave. Y en a un, il me dit, t'as déjà vu. Oh.
dit, t'as déjà vu le paf à ton père. Mais toi, ça se voit que t'as vu la chatte à ta mère un jour. C'est sûr et certain. T'étais allongé, ta mère, elle faisait le ménage, elle est passée sur toi, t'as vu sa vulve. J'en suis sûr et certain, ça se voit que t'as déjà vu la chatte à ta mams. Toi, pour me poser des questions comme ça, tu dois être le genre de mec au quartier, on en a tous un, il se branle sur la mère des autres. Toi, tu ne le sais pas, mais tu sais que ta mère, peut-être, ça a été un fantasme pour un mec du quartier qui te fait la bise. Et le soir, il se baignait, il pense à ta mère quand elle porte des sacs. Ah, putain! Ah, mon Dieu! Ah, putain! Non, c'est... Je ressemble à un œuf. C'est normal, je sors du cul de poule à ta grand-mère. Normal que j'ai une tranche d'œuf. Un verre de halib et une date. J'ai mon passé tel quel, tu vois. Et frère... Ah, Lily la fraise, là. Il y a Lily la fraise. Déjà, t'as un prénom. On dirait un film de cul de Roumanie. Et là, elle me dit, wallah, ça existe de se faire diverger. Sinon, ça serait une excuse. Il lâche pas la N'y tête. Croyez, mon père, Eraki. La grosse blague, la meuf, c'est fait. Bon, Lily la fraise, s'il te plaît. Allez. Bref, c'était pour rire. Non, Lily la fraise, j'ai cru que t'avais dit c'est vrai et tout le reste. Autant pour moi. Allô, Trump, allô. Destitué. Allô. Allô. Salam, frérot. Tu m'entends? Oui, je t'entends, frérot. Aïchik, tu peux au moins servir quelque chose si Trump il est destitué ou pas? Est-ce que tu peux nous dire au moins ça? Non, tu peux pas nous dire ça. C'est une dinguerie, c'est du sale. La première fois que j'ai vu mon père bloqué devant la télévision. Toute ma vie, je m'en rappellerai. Juin 1988, je vois mon père en train de bloquer devant la télé. Il avait les pieds sur la table, la main vers les hanches et il regardait. Have you body, Samantha love, do you remember me, boys, boys. Il a regardé quand elle remontait les bzaises. Mon pape, s'il était là, la clope, elle était en train de se fumer toute seule. La cendre, elle tombait sur... Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Je sais que je ferai de magnifiques siestes lors des sombres après-midi du mois de novembre. Ah ouais, tu sais, quand t'es... Comment te dire? Quand t'es à côté d'elle, tu t'emboîtes sur elle comme un Lego. Ça pète sa mère, ça. Hein, tu sais, il fait froid dehors, il pleut. Tu entends les gouttes de pluie sur le volet. Tic, 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 tic. Yalamra, elle t'emmène un teinernère. T'es là, tu dis, tu bois le thé. Elle te dit, c'est pas trop sucré. Et toi, tu lui dis, sur la mec, je vais te défoncer. Ouais, non, non, ça va, c'est pas... Après, tu lui dis, mais rien, viens rien. Ça fait une heure, t'es en cuisine. Attends, attends, juste fini de nettoyer, et puis je viens. Oh là là, comme elle excite, comme elle dit ça. Comme elle excite la tête de ma grand-mère. Voilà, je lui dis, vas-y, fini. Là, je regarde les matchs de Ligue 1. Dès qu'elle arrive, la vie de ma mère, je lui mets une série qu'elle aime bien et tout. Desperate Pute Wife, là. Je lui mets ça. Et après, je lui saute dessus. Et dès qu'on a fini, généralement, elle me fait des msenen. Elle me met de la confiture, j'en mange deux, après je la redéboîte. Oh là là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, les mecs. Oh là là, la vie simple, c'est merveilleux. Alors, l'autre, il me dit, tu radotes. C'est normal, si t'enlèverais mon zboub de ta bouche, je radoterais moins. Tu verrais. Allô. Salam. Tranquille ou quoi? Ça va et toi? Check. Ouais, j'ai rien à dire, mais va niquer ta grand-mère la pute. Ouais, je savais. qu'est-ce que ça fait d'être plus à la mode? Bien, ça va? Bien. Attendez, c'est que le début. Les frères, t'as vu quand tu t'intéresses à une femme, prends son téléphone. Si elle a des applications Deliveroo, Uber Eats, c'est une pute. Oui, d'après le théorème de Pythagore, c'est une pute. Bien sûr, c'est une crasse du tanning, splanning, qui adore manger chinois. Délice d'Asie. Moi, par exemple, j'ai deux fils, alhamdoulaye rabbi, que Allah garde tous vos enfants, garçons et filles, et Dyson, et Samsung. Ouais, c'est vrai qu'on est en 2021. Mon fils, il m'envoie un SMS, je lui casse sa bouche. Un SMS, je lui pète le crâne. Je suis son père, il m'appelle. Allô, papa. Il va m'envoyer un SMS, moi. Bientôt, il va m'envoyer un SMS où quand il va jurer sur la mec, il va marquer LMK. C'est une blague. C'est mon avis personnel. Bon, quelle équipe de France. Oh,
Wallah la vie, elle m'a fait rêver. Ça va à 200, tout se passe comme prévu. Ça va à 200 km/h, ça. Quelle équipe ! Quelle équipe ! Non ! Il manquait une golo. Non ! Quelle équipe ! Moi, je suis très content pour l'équipe de France. S'il vous plaît, sortez une chanson après la victoire. Sortez pas une chanson comme en 2002 quand Johnny nous a rainés. Oh, les champions ! On est... Adidas, ils avaient mis une deuxième étoile avant le mondial. Ils nous ont pinés. Non, très très fort. Très fort. Et c'est là où la Citelle va payer. Ouais, ouais. Bien. Non. Après, ouais. Le seul petit défaut que je peux avoir, c'est que c'est une équipe swag. Ouais, au football, il existe des swags. Tu sais comment tu reconnais ? C'est quand, après une victoire, ils sont dans les vestiaires. Il a marqué ! Il a tiré ! Pop, pop, pop ! Ça, c'est les swags. Moi, Zidane, je l'ai jamais vu. Il a marqué ! Elle est swag. Elle est très, très swag. Cette équipe de France est très réseau. La tête de ma grand-mère est très Instagram et très... Voilà, sinon, footballistiquement, c'est très, très fort. C'est très, 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 très fort. Très fort, wallah. Non, non. Bon. Il a tiré. Rapèse ton cœur, mon frère. Va te faire niquer, va. Putain, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema. Si on gagne l'Euro 2000, j'aimerais bien entendre la même musique. On a gagné la coupe à la maison. Par contre, j'aimerais bien que tu fasses Benzema, ha ha, ha ha, ha 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 ha. La même chose que tu as fait pour Umtiti, tu fais quand même pour Benzema, ha ha. Ouais. Parce que Fekir, je me rappelle comment tu l'as dit, le Fekir. Ouais. Il a pris Thuram et pas Fekir, incompréhensible. C'est normal. Oumtiti, hi hi, hi hi. Des Pogba qui dansent. Un verre de halib et une date. Tiens, pour revenir à ce que tu me dis là, c'est quand tu dis que tu as déjà goûté les préliminaires. Donc, si ouais. Ces préliminaires, ils t'ont plu, c'est que automatiquement, ouais. T'as dû les faire toute seule après la sieste. Non ? Bah, je peux pas m'auto-lécher, on est d'accord. Ce serait bizarre. Oh. Moi, ce que j'appelle les préliminaires, c'est le cuny et le. Le cuny et le. Et sucé, quoi. Et, c'est ça que j'appelle les préliminaires. Mais quoi ? Excuse-moi ? Et sucé, non ? C'est ça, des préliminaires. Wallah El Azim, quand je t'entends dire. Sucé avec ta voix, j'ai l'impression que c'est Hervé, le mec qui travaille en maintenance avec moi, qui me demande est-ce que je peux te sucer. Enfin, ça donne pas envie. Quoi. Ah, il est trop fumé dans ma vie, ouais. Ouais, c'est pas grave. Mais, bah ouais, tu es marocain ? Non, je suis algérien, frère. Parce que les secteurs travail. Tu te rappelles de moi, au moins ? Ouais, je me rappelle un peu. C'est ta voix qui m'a fait penser. On dirait. On dirait trop, trop. On dirait trop. Ah, trop. Ouais. Tiens, avec la voix que t'as, on dirait trop. Non. Vous voulez zouker dans la piscine ? Attendez, vous allez voir. Chéri, je t'en prie. Ah ouais. Pascal Labille, l'enclume. Vous croyez que je connais pas, moi ? Moi, pour tous les Lyonnais antillais, ils savent. Je suis un espace. Je suis un ancien de l'espace. Jean Balgouin. Jean-Michel Rotin. Putain de merde, la bonne époque. Où même les murs, ils transpiraient, Zabi. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi vous zouquez avec vos doudounes Eli Hansen ? Il fait 40 degrés dans la salle. Pourquoi ? Et il y a toujours une antillaise, une bagra qui danse pieds nus. Frérot, Hakarbi, elle ch'time des pieds, frère. Starfallah, l'adim. La Fatima, sacré bassin, hein, sacré bassin, hein. Hein, tu t'es imaginé voir une tête sur toi en train de faire... Bim ! C'est pour ça que tu me dis, ah, sacré bassin. Sacré bassin, en même temps que tu me dis ça, tu enlèves ta robe, sacré bassin. T'inquiète pas, je viendrai chez toi jouer le plombé. Bonjour, c'est pour la tuyauterie, avec une grosse chaîne en or. Et toi, tu vas me dire, mais j'ai commandé un électricien, nous faisons partie de la même entreprise. Après, je rentre, après à la fin, tu me regardes, tu me dis, mais vous étiez combien ? Vous étiez 3, 4 ? Non, j'étais plus seul. Ah d'accord, putain, parce que j'ai cru à un moment, mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai cru.
Donc ce que je veux te dire, c'est que le peine, moi j'ai peine pour lui quand il voit son parti. Oh, ils l'ont hagar, ils l'ont mis dehors. Alors que c'est lui qui a porté les cojones. Il a porté l'humiliation, le pauvre. En 87, sa femme, elle faisait la une de Playboy en soubrette. Tout l'Assemblée nationale, ils avaient le livre. Ils avaient les mains moites, en plus elle était méchante bonne. Je te parle de la mère à Marine, hein. Ouais, t'es méchante ouais. Sbab, c'est tout, c'était une blavonde. Tu sais, elle avait la même tête que celle qui fait l'émission sport. Vous vous rappelez? Un jour, j'ai vu mon père en train de regarder l'émission. Et à la fin, Véronique et Davina, elles prenaient une douche. À chaque fois, elles étaient nues. Hein? Hein? Je t'ai vu glisser de l'œil. Ouais. Parle des associations. Ces fameuses associations parisiennes, là du 9-3, là, hein, ces associations, les ateliers du DIN, où tu vois la tête de ma mère, tu vois la photo du groupe, toutes les filles, c'est des robeux, mais il n'y a pas un mec robeux. Bizarre. Bon, ouais, frère, toi, ça se voit que... Oh, t'as 33 ans, mais t'as une voix, on dirait. Frère, toi, ça se voit que tu manges des BN le matin. Tu sais, les chocos, lui qui te fait un clin d'œil, là. Lui, là. Non, pas, lui. Ça, si, pas. Tu dois manger des fraises, si, si. Non, vous marquez, non. Tu manges pas de lui. Non, tu manges pas des gâteaux, lui. Et tu trempes pas dans les larges, je rigole. Même les soignants, ceux qui vont... Alors, alors juste une petite parenthèse. J'aimerais répondre à Schneff, je sais pas quoi. Alors, j'aimerais lui répondre en lui disant « Tu laisserais ton père mourir, Bassem ?» Bah, si Allah, il a décidé... En tout cas, si mon père, il doit mourir du coronavirus, c'est Allah qui l'aura décidé. Et mon père, il aura bien vécu. Il aurait fait 4 fois le hajj. Il a fait une famille, des rajel, des enfants. Et hamdoulay, ya rabbi. Hamdoulay. Donc, sélection naturelle, c'est sélection naturelle. C'est comme diraient les beurettes, sabr, kol shi bil maktoub. Donc, oui, ferme ta gueule. Mashallah, les chaussettes. Ah non, j'ai cru que c'était... Tu m'as fait flipper. J'ai cru que c'était des chaussettes, frérot. Je me suis dit, bon, ça va alors. Wallah, je me suis dit, frère, il veut qu'on fasse une quête pour lui, il veut que... Wallah, ça va, tu m'as fait peur, wallah. J'ai vu tes chaussettes, je me suis dit, miskine, il est au chômage. Non, wallah. T'es un bon, frérot, t'es un bon. Allô, Bassem, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, bien? Bien, et toi? Je t'écoute, mon ami. Coupa, je vais te parler d'une histoire de genoune, mais avant tout ça, d'abord, je vais te dire que t'as une tête de losange, mais bref, de toute façon, c'est pas ça le sujet. Aïchik, frérot, attends, tu parles du losange, c'est très important. Donne-nous les caractéristiques du losange, frère. Losange, comment, voilà quoi. Mais bref, c'est pas ça le sujet. C'est... Mais voilà. Si, dis-moi que le losange, il a les mêmes dimensions que la chatte mamamams, non? Il a les mêmes dimensions. Mais là, c'est tranquille. C'est... Ah, frérot, t'es avec ton pote là, vous êtes, je suis sûr que vous. Tu sais quoi? Ah, tiens, y a mon pote. Écoute-moi. Sur votre table, vous avez des débris de tacos, vous avez des Red Bull, vous écoutez du Weshden, bande d'enculés. Vous êtes là et à la fin, vous vous frottez et vous jouez à la PS4, vous avez des hypes de partout. Ouais, je connais vos profils de merde. Non, en vrai, frérot. Hein. Mais bon, allez, je t'écoute. On est juste là. C'est quoi l'histoire de Jnoun? T'as senti qu'un genou n'y te touchait le paf? C'était ton pote qui était à côté, inquiète-toi pas, frère. Hein, hein? Bah ouais, bien sûr. Bon, allez, c'est pas grave, on passe à autre chose, allez. Ouais, mais tu veux fuir comment? Genre dans une autre ville ou un truc comme ça? Non, tu peux vivre avec elle, même en dessous de ta belle-mère, et lui dire les choses, sans manquer de respect. Yahja, tu pètes les burnes. Enfin voilà, quoi, t'es... Des fois, fille, j'ai envie de la déboîter, t'ouvres et je suis tout nu. T'as envie de lui dire des trucs comme ça. On habite au-dessus, on... Voilà. Sinon, je vais ouvrir la fenêtre à Anani le soir. Je vais te montrer comment ta fille elle a été élevée. Voilà, non. Alors, je m'adresse à Mia. Mia, déjà, tu sens le prénom, tu vois le... Mia qui me dit, mais t'es qui, toi? Tu crois que t'es qui? Tu crois que tu représentes les Maghrébins? Non, je représente personne. Nous représentons la résistance. Toi, tu dois faire partie de 80% de ces personnes qui sont des femmes qui disent « Seul Dieu peut juger ».
Il y a que les femmes qui le disent. Il y a que celles qui sont kilométrées, qui ont des joints de culasse. Il y a qu'elles. Il y a qu'elles qui veulent faire du recyclage. Comme ça, vous allez en faire. Il y a que vous qui dites, Dieu seul peut juger. Non, frérot. Un verre de halib et une date. En fait, il y a une semaine, j'avais entendu parler, tu parlais de l'homosexualité avec quelqu'un. Et j'aimerais revenir sur ce sujet parce que je pense qu'on nous ment, en fait. On nous ment par rapport à quoi? Comment ça se fait qu'on... Tu veux pas qu'on parle d'autre chose? C'est bon, je vais y aller! Je vais y aller! Mandat de dépôt, c'est bon, je vais y aller! Vous inquiétez non, pas! Non. Vous avez gagné! Allez, c'est bon! Parle d'autre chose, Zubby! Pourquoi vous êtes là à tourner autour de mon cul? Non, tout le temps! Non, mais pourquoi vous parlez? Tu parles de ça avec moi! Parle avec d'autres! Va dans leur association, il y a plein de trucs à faire! Vous voulez quoi au juste? Moi, j'arrive pas à comprendre. Quand j'aime pas quelque chose, je le regarde pas. Je lui donne même pas l'heure. Toi, ça fait 36 fois que tu m'appelles pour me parler de ça. Vous voulez quoi? Niquer la chaîne, on en refera une autre. Et ainsi de suite. Nous, on est là avec le cœur. Bande de fils de... Va te faire niquer. Allez, hop, allez. Allez, hop. On va parler de ce qui se passe un petit peu là-bas. Allô? Allô? Oui, Selem. Oh, allô, Khoya. Ça va? Oui, bien, et toi? Ouais. Vous êtes des handicapés. Wallah, j'ai jamais vu ça de ma vie. L'enfant qui va être tout le temps sur la tablette, sur les jeux vidéo, les trucs ouais, là. Ouais, ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Tu me fais penser c'est à ça, ces... En fait. Non, tu me fais penser à ces discours un peu d'hypocrite comme la femme carrément. Karima, GPR Karima. Qui me dit, tu parles de pudeur, toi. Oui, moi, je suis sur YouPorn, hein, en train de manger un gros bézoul. Tu peux aller voir, hein. Tu peux te connecter maintenant. Alors, David Nitara, tu galères, frère. Ouais, je galère, ouais. Qu'est-ce que t'as à me proposer, toi et ta photo de profil? Une boule de bowling, khel, avec un costard. La vie de ma mère, tu me fais penser à tous ces manutentionnaires qui travaillaient avec moi à l'époque, hein. Et ils déchargeaient des camions, ils venaient au travail habillés en costard. Avec des mallettes, à l'intérieur, il y avait des sandwichs au thon, Zabi. Tu les vois dans la rue, tu te dis, lui, il est avocat. Lui, c'est un juge d'instruction. Lui, c'est un ministre. La tête de ma grand-mère, alors qu'il déchargeait des camions. Il venait avec des JM Weston, triple semelle. Triple semelle. Triple semelle. Wallah, l'adim, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Aujourd'hui, je pleure. Wallah, frère. La stature de la France, comment on est vu. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais cette gifle aura des dommages collatéraux pour vendre des avions, pour vendre des chars, pour la crédibilité lors des G7. Lors, pourquoi on a un président comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a un président où un mec, quand il le voit, il prend photo torse nu? On est le seul pays au monde où notre président prend des photos torse nu et regarde d'un regard braiseux la personne à qui il l'a pris en photo. C'est ça la France, frérot? Notre président à nous, il prend des photos avec des hommes torse nu. Notre président ne l'approche pas. Notre président, normalement, il fait 2 mètres. C'est la France. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire le père, en fait, dans tout ça, presque il sert à rien, quoi. Et s'il s'oppose avec les lois françaises qu'ils nous mettent, le daron va arrêter maintenant. Je ne peux rien faire. Exactement. Dès que le daron il parle, ça y est, les lois, d'abord, la tête de ma mère, la tête de. Exactement. Mais il y a ça, moi, mon père, à l'époque, il me te regardait dans les yeux, tu tombais malade 2 semaines. Là, maintenant, maintenant, il y a des meufs. Juste, il te regardait, tu savais quoi faire. Tu sais, quand t'étais chez les gens. Il te regardait. Voilà. Tu sais, quand t'étais chez les gens où tu recevais du monde. Et quand tu piochais dans les bonbons, il te regardait avec ses gros yeux. Genre, voilà, tu touches pas. On a tous connu ça. Ouais. Ou la daronne qui ramène le plat. Ce week-end, on va faire des vidéos. On va, papa, comme les beubeux disent, il tire à balle réelle. C'est une dinguerie. Déjà, je suis chez elle, on arrête la télé. Elle me dit, il y a quelqu'un qui nous observe à côté. Starfallah l'Adim, c'est quoi cette femme? La tête de ma mère, elle n'est pas à côté de moi qu'elle me fait peur. Oh frère, moi les jeans amoureux, les jeans, c'est une pure réalité. Moi, comme je l'ai dit, il y a ma cousine, moi je l'ai vue. Il y a des femmes, elles se déshabillent, elles disent pas bismillah. Frère, elles disent pas des choses. C'est pour ça que le jean, voilà. Bon, il y a d'autres femmes, elles enlèvent, c'est le jean qui part, il prend le métro. Non, mais wallah ça là.
Non, j'ai pas pété les plombs. Ça s'appelle de l'intelligence, la putain de ta mère. J'ai pas pété les plombs. Ça vous fait quoi d'être sur un péri où je peux t'insulter ta grand-mère et je peux parler de la guerre froide? Je peux parler de la Renaissance et te dire pine ton père. Qu'est-ce que ça te fait, ça? On appelle ça un paradoxe. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et vous, tant qu'on parle pas de Jules, des princes de l'amour, vous comprenez rien, bande de fils de pute. Parce que vous êtes cupides, vous êtes stupides. Je m'adresse à la plupart, hein, je m'adresse pas à tous. Hein. Et ouais, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous avez de la boue à la place de votre cerveau. Wallahi l'azim. Génération de merde. C'est un truc de fou, en vrai. Ouais. Alhamdoulilah, grâce à vous, même les ennemis, vous m'avez fait prendre de la bouteille. Vous m'avez tellement insulté de édenté que j'ai refait mes dents. Putain, je vous serre la pogne. Parce que, wallah, c'était pas dans mon état d'esprit de refaire mes dents. Parce que vous m'avez fait prendre conscience. 40 ans, t'as pas de dents. Merci, merci. 41 ans et j'ai toutes mes dents. Merci. Ouais. Intelligence avec l'ennemi. Ouais. Bassem, c'est haram le nationaliste. Je t'emmerde. Je suis nationaliste et je t'emmerde. Je t'emmerde. Le nationalisme est une... Alors, d'après Ibn Kenza de Pattaya, le nationalisme, c'est une pourriture en islam. Vous savez même pas ce que c'est le terme. Le vulgaire cafard. Vous savez même pas ce que ça veut dire, le nationalisme. Mais ils se sont fait griller parce que, tu sais, quand t'as un escroc, quand, excusez-moi du terme que je vais employer, mais quand t'es un... Bon, allez, je vais pas faire de... Quand t'es un fils de pute, sois le bienvenu. J'allais dire. Quand t'es un fils de pute. Quand t'es un fils de pute, quand t'as été élevé dans tes... Non, bien sûr, il y a des limites. On va se parler casse, tu vas pas faire une faciale à ta femme comme tu le ferais avec la... Voilà. Voilà. Mais, elle a envie d'un rajol. Elle a besoin de temps en temps que je apprenne et que tu montres tes poils, l'homme, on est d'accord ou pas? Ouais. Ouais, mais comme tu as dit, tu peux pas faire ça sur ta femme. Enfin, à la rigueur, tu le fais sur le torse, ou... mais sur la tête. Est-ce que tu imagines, toi, la femme t'a fait un halal, il y a ta mère, elle a dansé dans ton mariage et tout, et toi, t'es là, c'est ta femme. Tu peux pas la regarder en lui faisant « Ya Wundenbart !» Tiens, quand c'était... Oh, jeune ! Tu peux pas lui dire ça, c'est pas possible. Ouais, dans Taxi 5, en fait, le Babtou qui joue Wallah avec un sanglier, c'est de la merde. C'est de la merde, ils ont donné leur cul, c'est de la merde. Frère, de toute façon, Malik Bentala aussi, hein. Va voir le film La Haine 95. Va voir le film La Haine. Un juif, bah oui, un Romain et un Renoir. Avant, ouais, dans les années 90, on était comme ça, frérot. Va voir La Haine, comment c'est tourné. Va voir comme c'est fait. Va voir! Maintenant, regarde les films d'aujourd'hui, frérot. Pattaya, je sais pas quoi. Mais ouais, Pattaya, Kaira. Comme par hasard, dans Taxi, il faut que le mécanicien, c'est l'autre tapin, là, l'autre pute, tout le temps la même. Elle fait la tueuse, elle s'est pris pour Eva Mendes dans Fast and Furious. Fast and Furious, t'as à Lidl. Fast and Furious, t'as à la CAF. L'autre, depuis quand, règle la pression du turbo. Nick Bebek. Voilà, c'est un truc de fou. Voilà, voilà en quoi nous, les Maghrébins, on est cantonnés à ces second rôles, frérot. Ah non, moi je pense aux mamans, je pense aux papas, je pense aux gens qui sont allés enterrer leurs proches au bled, qui sont bloqués au bled. Oui, je fais doha pour ces gens-là. Mais pour toutes les petites salopes, là, qui sont parties en vacances, parce qu'au mois de mars, faut être à Phuket pour être in. Et en été, faut être là-bas pour être in. Et en hiver, faut être allé vous faire enculer. Restez là-bas. Inch'Allah même, votre avion, il va dans les triangles des Bermudes. Ou dans le triangle des Berputes. Avant, il y avait le triangle des Bermudes. Maintenant, il y a le triangle des Berputes. Ouais. Les Bermudes, Porto Rico, Miami. Bon, on dit que c'est assez bizarre. Et le triangle des Berputes. Kesh-Kesh, Dubaï, Phuket. Évidemment, quand je suis tout sale du sirop de cordon que j'ai eu sur les plages de Pattaya, et ben pour me nettoyer, je fais escale à la Mecque. Machallah, voilà, ils sont trop beaux, voilà, machallah, et alors, tant qu'ils sont dandines, arrête de juger. Ouais. Un verre de halib et une date. Vous avez des cuisines, vous voulez des cuisines à 7000 euros, mais vous savez même pas faire cuire un œuf. Vous allez nous dire quoi? Votre maman ne vous a pas appris? Pourtant, votre maman, elle vous a pas appris à tirer des pipes. Et vous les faites bien. Ouais, bien sûr.
Franchement, il s'en est avec que du blasphème sur la religion musulmane. Ça, ça me dégoûtait, franchement. Clichés, et je vois que des petits cons qui rigolent et tout ça. Ils n'ont même pas donné un truc. Ceux qui vont au cinéma voir ce genre de film, c'est des. C'est, voilà quoi, ça ressemble un petit peu. Mais de toute façon, tu vois le public quand tu vas voir ce genre de film là. Tu vois les publics. Tu vois comment à peu près c'est des Gwendoline de la street. Des faibles maghrébins. Il y a carrément des mecs de cité qui viennent en bande et ils rigolent à temps, comme des petits cons. Ouais, enfin, ceux qui viennent voir ce mec, ce film-là, ce sont des mecs des cités qui écoutent du Marwa Lourdes. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, Hakrabi, frère, en parlant de ça, j'ai vu un showcase, je crois qu'on m'a envoyé un showcase d'elle. Frère, quand je l'ai vu sur la scène, j'ai pensé à Astérix quand il revient avec Obélix quand il revient avec un sanglier et quand il chante quand la petite va tout va, elle allait porter l'âme sur son épaule. Frérot, ceux qui chantaient, qui répétaient les paroles, il y avait que des voix de mecs, que des voix de mecs. Cette grosse vache, elle est venue à Marrakech. Que des voix de mecs, frère. Faut qu'on rentre à la maison, frère. Hein. Toutes ces sidaïques, faut qu'on rentre à la maison. Hein. Attends, frérot. Hein. Croyez pas. Que c'est quand la femme, elle est propre, Zama, elle est toute pomponnée, que c'est la meilleure chose. Non. Les meilleures sensations, frérot, c'est quand elle transpire, mais de la maison. Tu vois? Elle sent le snen. La meuf, elle pue, mais elle pue la maison. Elle pue la lessive. Elle pue, elle est en train de saillir. Tu sais, cette transpiration, juste avant qu'elle te dise, putain, oulala, il faut que j'aille faire une douche. Faut la prendre maintenant. C'est maintenant qu'il faut la prendre. Elle dégage des phéromones naturelles que seuls les hommes, les vrais, pourront capter. Tête de ma mère. Tête de ma mère. Quand elle a fini de faire ménage et qu'elle dit, je vais faire une douche parce que j'ai fait le ménage. Elle pue, mais c'est bon. C'est bon! Mais wallah, vous comprenez pas! Quand toi, tu rentres du travail, quand t'es en bleu, putain! C'est des phéromones! Wallah, c'est les. Vous savez pas, bref. Non, vous savez pas. On fait ça au faciès! Au faciès, frère! Quand tu vois une Clio 3 avec une Subha où il y a trois bebeux qui veulent y aller brûler des palettes devant leur Clio. Non, mais je rigole pas, les mecs. On fait les oranges, frérot. Tu sais quoi, tu leur dis comme ça. Il y aura pas de McFleury ce soir, sale pute. Rentre chez toi. Vraiment, frérot. En plus, mec, ça bloque le repas du McDo. Les bebeux, elles sont dégoûtées. Cher, ces salopes. Ouais, bien sûr. Bien vu, mon frérot. Wallahi, c'est véridique. C'est véridique, c'est wallahi, c'est véridique. Quand elle a fini le ménage. Oh, oh là 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 là. Quand elle te dit marche pas sur le sol. Oh là 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 là. Quand tu viens regarder la gamelle, elle te tape avec la louche. Oh là 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 là. Mais après, il y a aussi une autre différence, il y a aussi le genre d'enfant de fils de pute. Et il donne 50 balles à sa mère, ça y est, je sens plus. Il a cru, il lui a donné le monde. Bien sûr, il y a aussi une nuance. Aussi... Tu dois donner tout à ta mère. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu dois beaucoup, tu dois tout à ta mère. Mais... Frère, je suis à 100% d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y en a, ils donnent 60 euros, ils se sont pris pour Dallas, JR et Wing, l'autre. Il a donné un puits de pétrole et ben à sa mère. Alors qu'il sait pas que la veille, il a dépensé 300 euros pour une crasseuse de bebeux de merde qui porte des Nike RH à taille 44. Tu vois, et le mec, le matin, il va se lever ivre avec un caleçon Léopoldo du marché, ce fils de pavute. Le pire, c'est que lui, c'est sa mère qui lui achète ses chaussettes et tout. Il s'est passé quoi alors? Alors, vendredi, il devait venir. Et en fait, ma belle-mère, elle m'a envoyé une vidéo. Et comme c'est une femme âgée, il y a des détails en fait qu'elle n'a pas repérés sur cette vidéo. En fait, mon mari, il est en train de danser. Et cuisiner. Et c'était une meuf qui filmait, en fait, on la voyait pas. J'ai entendu sa voix rigoler plusieurs fois à la meuf. Et on se rend compte que c'est elle qui filme, elle est proche du téléphone et tout. Et lui, il cuisinait, lui. Comment ? Et lui, tu disais, il était dans la cuisine, c'est ça ? En train de faire à manger, ouais, et danser en même temps. Il t'a déjà fait à manger à toi ? Ouais. En train de danser ? En général, c'est moi. Ah merde, ouais, c'est lui, quoi, ouais. il aime bien faire à moi, donc... Déjà, c'est... Faut pas se marier avec des hommes qui dansent. Putain, on vous le dit depuis le début. Même ta belle famille dans le mariage, quand elle danse, méfie-toi ! Méfie-toi, sur la tête de ma mère. Okay. Un homme qui danse n'est pas un homme fiable. J'ai un message à faire passer...
aussi Daïk atteinte de la tuberculose. De la tuberculose, les hijab C3 pluriel, mais arrête de juger. S'il vous plaît, servez au moins une fois à quelque chose. N'allez plus à Nocibé vous refaire la face. Boycottez Nocibé. Sidaïk, pour cette cause, travaillons la main dans le poing dans vos gueules. Mais essayons d'aller dans le même sens. Mais juste un petit peu. Et y a plein d'autres magasins pour vous. Le Roi Merlin, Brico Dépôt. Vous pouvez vous refaire la face là-bas. Quand tu dis que le plaisir n'est pas le même, c'est-à-dire physiquement, t'es là, tu fais ce que t'as à faire, ouais. Tu la regardes. Il y en a, ils préfèrent être dans le noir. Ouais. Moi, c'est pas possible. Faut que je vois quand ça... Donc, faut toujours laisser une petite pareil. Lumière, un téléphone. Il faut que tu vois quand ça cambre. Il y en a, ils aiment faire ça dans le noir. Il y a des femmes, par exemple, les femmes de l'Est sont des très jolies femmes. Hein. Les femmes de l'Est, Mulhouse, Strasbourg, physiquement, c'est des très jolies femmes. Mais le faire dans le noir avec elles, c'est dangereux. Elles ont un accent, tu crois que t'es en train de prendre un général du Troisième Reich, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre la lumière, c'est important. Je vais t'expliquer ce qu'il y a eu là, ce qui a fait que là, on s'est séparés. C'est séparé, on va dire, hier. En fait, t'as vu, moi, j'étais au taf. C'est séparé hier. Non, Oula, je te parle sérieux, frère. Non, ça me fait rire, mais par Allah, moi, ça me fait pas rire, frère. Parce que, t'as j'ai l'impression, en fait, ça va jamais aller entre Stop. Dis-moi. Quand tu me dis, par Allah, que ça me fait pas rire, alors, si tu veux pas qu'on rigole avec toi, j'aimerais que tu assumes une chose. En disant aujourd'hui, Bassem, je t'appelle parce que j'aime encore mon ex. J'ai envie de la récupérer. Oui. Pourquoi tu n'assumes pas? Non, Bassem, assume. Dis-moi ça. Dis-moi, je veux la récupérer. Je t'appelle. Vas-y. Réponds quoi encore? Va donner un coup de pied dans une vague en chantant Nothing but a gem, I love for you. Mais non, frère, mais non, c'est pas ça. T'as pas compris. La récupérer de quoi, frère? Ouais. Je vais la voir en mode chez elle, je lui dis descends, je suis là. Normal, et je vais la récupérer. Par Allah, le Tout-Puissant, frère, c'est pas ça le truc. C'est la récupérer. Tu vas en Golf Air, elle descend. Attends, écoute. Tu vas en Golf Air, elle descend, claquette en mousse. Tout va bien, frère, tout s'emboîte. Mais tu rigoles ou quoi? Vas-y. Non, mais sérieux, je te parle sérieux. Bassem, tu sautes plus. Bah si, attends que le pays se remet en route. C'est bon, normalement, la semaine prochaine, Inch'Allah, je pourrais mettre une basket. Donc, dès que je peux mettre ma paire de VaporMax, je vais travailler direct. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la préserver. Hein? Henri Salvador. Et le boulot. C'est quoi ce numéro bizarre? Allô? Allô, salut Bassem, c'est Ludo. Salut Ludo. Salut Ludo, c'est vrai qu'on dort dans la même chambre, on dort dans des lits superposés. Il m'a dit salut, c'est Ludo. Salut Ludo, ça va Ludo? Bien. Bah ouais, je me présente, gros. T'as raison, bien Ludo, t'as raison. Et ça, c'était les Suisses, ça. Un verre de halib et une date. Quand tu ne prends pas, quand je te dis à Lyon, tu te fais dépasser par des trottinettes. Hein? Ils sont deux dessus, ils se prennent, t'es en 13-40, ils te dépassent. Filet colon de merde. Ah, où les... C'est là où les sionistes vont arriver. On a hacké son Skype. On l'a hacké. On lui a envoyé des VPN. T'as rien envoyé du tout. Toi, t'as envoyé juste... T'as juste envoyé ça, toi. Mais non, on banalise pas la fornication, Yacine. Wallah l'avim, on banalise pas. On en parle, comme ça, normal. Ça empêche pas que t'es là. Hachem, frère, commencez pas. On est là, on plane entre nous. C'est Radio Halib. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles, toi? Frère Tuck, dans Robin des Bois, là, l'autre, il arrive. Il est là. Ouais, ça parle de tes... Wallah, frère, si je prends ton ordi en zoom, je vois tous les historiques qu'il y a. Ça m'étonnerait pas qu'il y a une femme qui a des seins et un zboub avec le maillot du Vasco de Gama. Tu tires des queues sur des chimelles, sale merde. Et tu viens vers nous, t'écoutes notre radio, ça parle de cul, casse-toi de là, va. Va dans les groupes de rappel. Ah ouais, c'est pas intéressant là-bas, ouais. Tranquille, les mecs, on est là en plein entre nous. On rigole, Jibril. Wallah, on rigole entre nous. On est là, tranquille. C'est le quartiave. Non ou pas non? Attends. Non, mais c'est pas la peine, je vois vos snaps là, c'est même pas la peine, rappelle-moi. Je rappelle le diable, je te rappelle pas toi.
Ouais, j'aimerais juste répondre à Nanou Nouna. Oui, mais moi qui suis maman, je préférais que mon fils ait un boulot qui n'abîme pas sa santé, contrairement à son père qui a dû subir une opération malgré alors que c'était un vrai bosseur. Ton mari, il a bossé, il a eu des problèmes de santé, il t'a mis à l'abri, il t'a fait un enfant, il a payé les factures, donc tu fermes ta gueule. Alors quand je dis que tu fermes ta gueule, c'est pas pour te manquer de respect, simplement te dire tu la boucles, tu la fermes, tu laisses faire ton fils comme son père il a fait. Comme ça, il va trouver une femme comme toi, et il va s'occuper d'elle comme ton mari s'est occupé de toi. C'est bon comme ça? Tu préfères avoir un mari en pleine santé, qui est là, qui fait des mots croisés à la maison? Fermez vos gueules un peu là. Bref, ouais frérot. Non, normal. Non, alors on est en plein dedans, tu as écouté le frérot qui est avec nous, donc vous serrez écouté, la main, vous serrez la pogne, bonjour, là vous êtes en salut, direct frérot, un petit peu. Salut frérot, ça va? Salut, voilà. Salut. Ouais, j'ai écouté, j'ai écouté ce qu'il disait, sur certaines choses, j'étais pas trop d'accord, mais je pense que c'est le but du débat, mais sinon dans l'ensemble, il y avait quand même des bonnes choses. Qui c'est qui m'a dit? C'est Patrick Sébastien. C'est vrai, de la manière dont il est arrivé. Le petit bonhomme. Salut tout le monde. Vous êtes con. Vous êtes con, la room. Aujourd'hui, c'est de la crypto-monnaie. Écoutez, tu vois. Il y a un excellent commentaire là, de Siamante. Je suis en train de regarder. La femme, elle dit, ils parlent d'islam et de Maghreb parce qu'ils savent qu'on est les plus grands consommateurs. Bien sûr que c'est vrai. Mais bien sûr que Mais oui, c'est ça qui me rend triste, c'est qu'on est des gros. Tu vas dans un snack. Frérot, tu vas dans un snack. Tu prends le prix moyen du maghrébin quand il rentre dans un snack. Il mange pour 15 boules. Il prend le maxi tacos, sauce gru-gru supplément, tranquille. Sus gru-gru, 3 fromages, frites à pas, Hamid. Tu mets un peu d'oignon, double viande, double galette. Même les filles, quand elles mangent, elles sortent, elles vont au resto, c'est des consommatrices. On est des gens qui ont le cœur sur la main aussi. On est généreux, on sait mettre la main à la poche. C'est pas comme d'autres personnes, quand ils vont au McDonald's ou au Quick, ils se regardent. Elle prend Max First. Ils se regardent entre couples. À ton avis, chérie, si on prend un Big Mac, est-ce qu'on pourra aller en vacances danser la Macarena? Tu vois ce que je veux dire, frère? Et vite fait, tu vas rester avec nous. J'aimerais juste répondre à un commentaire que j'ai vu. Vous êtes surtout des consommateurs de la CAF. Il y en a une qui m'a dit ça. Alors, excuse-moi. Ça, c'est de la faute de ton arrière-grand-père, le collaborateur du régime de Vichy, celui qui a vendu tous les juifs de France, là. Ton grand-père, là, qui collait les timbres pour la Luftwaffe et pour la Wehrmacht, pendant que mon arrière-grand-père à moi, le Tunisien, et les arrière-grands-pères algériens, marocains, du Sénégal, du Mali, ils étaient en train de reconstruire ton pays de merde, parce que ton grand-père, il était planqué à la poste. Donc ferme-la. Nous, on n'a pas demandé à être là. Vous nous avez colonisés. Vous vous êtes servi de nous, en chair, en canon, lors de la Première Guerre mondiale. Qui c'était qui était devant? C'était les tirailleurs sénégalais. Vous avez gagné la guerre des tranchées parce que les soldats allemands de la Wehrmacht, ils avaient peur des blacks, ils n'avaient jamais vu de noirs de leur vie. Donc fermez-la un peu. Moi, ça m'énerve les trucs comme ça quand j'entends des mangeuses de sangliers qui se torchent le cul au Moltonel comme elle, là, parce que big dédicace à la team Douchette, force et honneur. Elle vient et dit, vous grattez la CAF. Mais nous, on entretient la richesse de l'État, sombre biatch. Bref, c'est pas grave. Allô? Allô? Salam. Allô, ça va, comme Bassem, ça va? Ça va, et toi? Ouais, c'est moi qui t'ai appelé hier, Achi Footix. Non, mais je peux plus, les mecs. Je peux plein. La tête de ma grand-mère, je peux pas. Je peux pas, frère. Yeah. Excuse-moi. Laisse les gens qui n'ont jamais appelé, je peux pas. Alaykoum salam, frère. Ça va, tu vas bien? Ouais. Alhamdoulilah, et toi? C'est le gars que t'avais eu dans le débat hier, c'est dans le dernier débat avant que ça. Mais, oui. Mais c'est pas possible! Vous étiez hier, vous êtes là encore! Mais c'est quoi vos vies? C'est quoi vos vies? Mais c'est pas. Non! Mais le wallahi, non! Non! Ces gens-là, ils dorment, ils pensent à toi! Ils se lèvent, ils pensent à toi! Subhanallah! On est 70 millions en France! Mais c'est pas possible! Wallah, c'est pas. J'ai mal aux dents. C'est pas possible. Allô? Allô? C'est des malades.
Alaykoum salam, bien et toi mon ref? Ouais, bah ça me savoir. Eh, dis-moi mon frère, tu te rappelles la dernière fois, j'ai eu un sujet avec toi. Toi aussi, la dernière fois, tu étais là. Allez, moi, je peux plus. Frère, je peux pas, non, je peux pas. Tous ceux qui me diront la dernière fois, je peux plus. Allez, oh là, non, mais attends. Mets du son, frère, mets du son. Monte le son. On veut voir là, on veut voir tout le monde là. Aïe. 1-1. C'est du 6-9-200, toujours à l'ancienne. De la banlieue lyonnaise. Tant qu'on somme comme un jeune. Pas de crête, pas de feuille. 6-9-200, toujours à l'ancienne. De la banlieue lyonnaise. Comme un jeune. La famille sans la tête, faut qu'on craigne. Big up, dédicace, le plateau et mes ailes. C'est du 6-9-200 pour s'enlever. Les oreilles arrachées pour une boucle d'oreille. Dans le taf musical, faut qu'on craque. EP ou via suite, seum dans les bacs. Obligé le tournevis, j'ai branché mes premiers fils. C'est que calme vers 6. Moi j'enchaîne, je dégaine à la manière 6-9. La funk dans les gènes, moi je rappe sans gêne. Moi je kiffe, c'est de la fraîche. Ici on fait rentrer l'oseille. Dis-leur, y'a du